Salut camarade, c'est Shootka. Et enfin, j'arrive à enregistrer Team Fortress 2. Donc, j'ai galéré pendant une bonne heure pour configurer le recorder, vu que j'ai changé de recorder. On en fera peut-être une vidéo plus tard. Je vais aussi en profiter pour déplacer mon micro qui est de ma gauche vers plutôt le milieu, le centre. Sinon, vous allez entendre mon ventilateur. Et vu qu'il est en train de crier pas mal. Ça vous évitera d'être pété les oreilles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant j'utilisais AppAwareSoft, donc c'est juste que les trucs gratuits. Et sauf que AppAwareSoft c'était pas assez puissant, et que je crois que c'est 80 € la version complète, assez puissante et tout. Et du coup, tu te dis, je vais pas trop mettre là-dedans, et j'arrivais pas à enregistrer. Et AppAwareSoft c'est bloqué sur les fenêtres, pas les pleins écrans. C'est le problème des jeux, c'est qu'en général c'est en plein écran. Du coup, pour les enregistrements, World of Tanks, Minecraft, Team Fortress et tout ça, il fallait que je mette le jeu en mode fenêtré. Et pour World of Tanks, ça m'allait bien parce qu'en fait c'était un mode fenêtré sans bordure. Donc c'était comme un plein écran, mais on voit pas trop la différence. C'est juste que ça joue un petit peu plus sur les performances. Mais voilà. Alors que là, il y a Wiros qui m'avait dit, regarde, il y a Steelers qui avait fait une vidéo sur comment utiliser OBS. Je lui ai dit, ah, c'est pas payant OBS? Et en fait, non, c'est pas payant. Et du coup, au bout d'une heure à galérer, à le paramétrer, me voilà enfin. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo et dans les autres séries vidéo que je suis en train de faire là? Et c'est que je vais reprendre le concept de Seedling, c'est-à-dire le mercredi des casus. Si vous le connaissez peut-être, vous avez pu voir qu'il a arrêté ses vidéos et pour faire une pause. Et moi je me suis dit c'est bête parce que ça faisait à peine 2 semaines que je regardais ses vidéos, mais ça correspondait avec la quand est-ce que j'ai recommencé à rejouer à Team Fortress 2. Et 2 semaines après, il annonçait qu'il arrêtait de faire des vidéos pour une durée indéterminée. Donc ça peut être soit pour toujours, soit pour quelques semaines. Sauf que ça fait déjà plusieurs semaines qu'il a arrêté, peut-être un mois même, je sais plus. Bon bref, du coup j'ai voulu reprendre son concept des LMDC, donc le mercredi des casus. Bon, ça sera moins bien que lui évidemment, mais voilà, je vais essayer de faire mon mieux. Voilà, bon moi c'est surtout pour m'amuser aussi, hein, comme il le disait. Bon, je serais peut-être moins énergique, moins drôle que lui évidemment. Bon voilà, par contre là je vois que j'ai une notification. Alors, on paraît que c'est une caisse. Eh, c'est une caisse! Youpi! Donc aussi, bien entendu, quand il va recommencer à, quand il va refaire des vidéos, des LMDC, enfin s'il en refait, je vais arrêter cette série. Ou alors je continuerai, mais ça sera autre chose. Alors, au niveau du son, alors la musique déjà, elle va gerter. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que ça va être un peu trop fort. Et je vais baisser le volume du jeu, parce que sinon ça va péter les oreilles. Voilà, c'est bon. Comme ça, on entend, mais pas trop. J'ai pas fait gaffe que j'avais 3 étoiles. J'adore faire ça. Bon, bref, sur ce, on va essayer de se trouver un match en occasionnel. Allez, c'est parti. Alors, on va se prendre. Non, on va se faire un petit mode normal. Mode de jeu standard, tranquille. Alors là j'avais envie de jouer, j'avais envie de jouer scout, je pense. Alors peut-être que je vais changer, hein, mais là j'avais bien envie de jouer scout. Je m'étais préparé déjà un petit truc. Non, je ne l'ai pas préparé. Alors ce que je voulais utiliser, c'était l'arrêt court. Avec, qu'est-ce qu'on va se mettre avec, pourquoi pas la guillotine volante, parce que je suis nul avec. Et en arme comme ça, le sucre d'orge, pourquoi pas, hein, c'est marrant. Et en action ici, je l'avais pas, je l'avais pas mis. Prends le boule. Ouais, voilà. Donc, on va se changer, tiens, le style de la guillotine volante. Ah, d'accord, c'est soit ça fait, soit ça fait. Bon, on va laisser comme ça parce que c'est marrant. Non, allez, d'accord, on va me mettre dans la façon dont j'ai touché le plus de personnes. Toute propre. Voilà, c'est toujours aussi long, hein, de trouver des trucs en casual, j'ai l'impression. Alors pourquoi est-ce que j'utilise l'arrêt court? C'est parce que on peut
Ici, je sais plus si c'est écrit. Oui, voilà. Tir secondaire, atteignez et bousculez un ennemi. Donc en fait, en gros, quand vous faites un clic droit, ça bouscule un ennemi. Alors j'ai testé. Et... Ah bah tiens, on a trouvé. Et en fait, c'est vraiment nul comme tir secondaire. C'est-à-dire que vous arrivez, vous bousculez l'ennemi. Mais en fait, non, vous bousculez pas, vous lui faites 10 dégâts. C'est tout. Il reste à la même place. Alors je sais pas si c'est un problème de code ou pas, mais... En tout cas, c'est nul, hein, c'est très nul. Alors moi, en fait, personnellement, j'utilise le combo arrêt court, ailier et poêle à frire. Pourquoi poêle à frire? Parce que ça me fait marrer la poêle à frire. Pour les maps qui sont assez petites, il y a assez urbaine, donc tu vois, un petit truc assez compact et tout, voilà, on se prend le petit pistolet, parce que ça fait bien loin, bien tout. Alors que, bon, c'est vrai quand même que le fusil à dispersion, il est pas mal aussi, mais... Mais c'était surtout sur la map turbine que ce combo y allait bien, ailier et... Et j'ai pas mis le chauffage en route, du coup je vais me cailler. C'est pas grave, j'ai des bons pulls sur moi. Mais du coup, oui, voilà, c'est un très bon combo. Et alors, moi ce que j'aime bien, c'est que pendant le temps de chargement, vu que c'est long, ne me demandez pas pourquoi c'est long, parce que TF2. Donc, en tant que spy, prendre des dégâts liés au feu quand vous utilisez la spy lactique fera fondre celle-ci. Bah oui, parce que la spy lactique, Jean-Louis, c'est de la glace. Merci bien, mesdames et messieurs. Ce qui vous empêchera de l'utiliser pendant un court instant. Bah normal, si elle a fondu, tu peux pas trop utiliser un truc que t'as plus. Ah, un petit fact aussi sur la spy lactique, c'est que ça vous protège pendant une seconde des brûlures. Donc c'est pour ça qu'en général, les gens utilisent la spy lactique avec la Deadringer. Ouais, parce que comme ça, en fait, le truc, c'est qu'en général, les pyros, bah, même si vous avez la Deadringer, ils vont se douter, ils vont quand même spy check un petit peu plus longtemps. Et moi en général, je me fais cramer la tronche alors que je suis en Deadringer. Voilà, donc c'est un peu bête. Alors qu'avec la spy lactique, vu qu'en général, ce spy check il dure un maximum 2 secondes, vu que c'est juste un tout petit tir, ben la spy lactique elle va fondre quand vous allez vous faire cramer pendant ce court laps de temps. Vous allez pas cramer non plus. Vous allez avoir après aussi une résistance au feu grâce à la spy lactique. Si vous l'avez encore. Parce que si vous l'avez plus, c'est dommage. Donc aussi je voulais en profiter donc pour en parler du combo que Valve nous donne, enfin nous présente, le combo arrêt court, left relaté et macro sacré, qui s'appelle donc le laitier si je ne m'abuse. Mais moi ce que je trouve ça bizarre c'est... Enfin ouais tu prends du lait avec tes céréales, pourquoi pas, mais... Mais à quel moment tu prends du lait avec un maquereau? À quel moment? Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, il y a peut-être des gens qui aiment bien manger des maquereaux en buvant du lait. Ou en mangeant du lait en buvant des maquereaux. Cette blague était nulle. Je sais. D'ailleurs, un petit fact aussi sympa sur le maquereau sacré, c'est que c'est une référence, un clin d'œil au film slash livre H2G2, Le Guide du Voyageur Intergalactique. Le macro est un clin d'œil donc au début du film où on voit les dauphins. Alors pourquoi est-ce que je dis au début du film? Parce que moi j'ai vu le film, hein, parce que j'ai pas lu, parce que je suis un gros flemmard. Donc le macro correspond au dauphin. Et le son il a augmenté. Il se fout de moi. Bon, je vais prendre la classe. Alors pourquoi est-ce que le son... Mais est-ce qu'il a vraiment augmenté le son? Non, il... Non, parce qu'en fait, je sais pas si c'est vous, ça va vous péter les oreilles, mais. Voilà, moi, ça me pète les oreilles en tout cas. Voilà, alors. Ah oui, le problème, c'est qu'évidemment, mon micro est devant mes touches. C'est pas banal. Voilà. Donc, ouais. J'ai pas le temps de parler que l'autre, il m'agresse déjà. Alors, je me soigne avec le distributeur, comme ça fait des points à l'allié. Donc, le macro sacré, donc le début du film avec les. Dauphin qui s'envole dans le ciel, ça c'est un spy. Oh j'ai touché! Oh j'ai touché! Oh bah je vais... Non, pas planté, pas planté, pas planté. Je vise très mal.
Donc les dauphins qui s'envolent vers le ciel en disant merci, merci et salut, non salut, salut, salut et merci bien pour le poisson, parce que les humains leur donnaient du maquereau. Alors pourquoi est-ce que je lag comme ça? J'en ai aucune idée. On va dire que c'est passager. Oula. Ah d'accord, ok. Très bien. Ah bah c'était rapide. Bref, votre porture rapide. Donc voilà, donc bilan. Bon bah voilà, hein, c'était une très bonne partie. Hein, moi je vous dis salut, à bientôt. Allez, ciao! Non mais je rigole. Attends, la partie elle vient de se terminer quand j'arrive, s'il te plaît. Enfin, je sais pas, j'ai rien eu le temps de faire. J'ai rien eu le temps de faire, mec. J'ai rien eu le temps de faire. Je suis seul, je suis sans ami. Non, je rigole. D'ailleurs aussi, je vais faire la mission à la quête de l'Australium. Je pense que je vais le record aussi. C'est évidemment hein, chercher avoir une arme Australium. Man versus Machine. Manpower. Donc un ticket qui coûte 89, 86, ou ça dépend, ça devrait pas de changer. Et qu'on a à Noël. Ouais, j'ai toujours pas utilisé le ticket. Hein. Et j'en avais eu aussi un autre dans une caisse que je vais devoir filer. Ah oui, Rose, parce que ce boulet, il l'a refilé à je sais plus trop qui. Je crois qu'il l'a revendu. Voilà. Donc, heureusement que j'en ai deux hein, pour lui passer. Donc, j'espère que. Ah, on a déjà envoyé des infos clients. Alors, bon, je suis un petit peu désolé pour vous, vos oreilles, tout ça. Mais, je suis un peu enrhumé. Peut-être les allergies qui commencent. Alors. Oui, c'était un mercredi de casu, mais je sais même pas si je vais pouvoir sortir le mercredi parce que je devais le tourner hier, donc le mardi. Mais j'ai pas réussi à paramétrer tout ce qu'il fallait. Et je voulais le faire ce matin pour le sortir à midi, mais grosse flemme et je l'ai pas fait. Voilà. Voilà, j'aime bien inspecter les éléments. Ah oui, ça lag un peu. Pourtant, je suis seul chez moi. Hein. Il n'y a personne. Je m'auto-pompe la connexion. Hein, c'est. Je crois que c'était un bug de. Ok, il y a un Eevee là-bas. Ouh, oui. Effectivement, il y a un Eevee. C'est un Eevee. C'est problématique, un Eevee. Surtout quand il est comme ça. Alors, ça. Oh! Là, je me rappelais pas de cet endroit. On va dire de ce petit passage. J'utilise jamais en même temps. Oh, c'est cool ça. Il y a une mitrailleuse ici. Alors, y a-t-il des vilains méchants? Et vous voyez comment je suis nul au lancer de. Je sais pas pourquoi je zozote. Hein. Au lancer de guillotine, je suis nul. Salut, Gibus! Il y avait un Gibus, le pauvre. Ah non, mais moi je me barre avec tes documents, je m'en fous. Oh, le heavy, le heavy. Il est pas content. Il était pas content, lui. Il était pas content. En fait, c'est pas si bien que ça, ce combo. Par contre, pourquoi est-ce que là, ici, j'ai le truc qui est terminé? Est-ce que. Ah, bah, il avait pas livré. Ah. Allez. Ouais. Accepté. Voilà, comme ça. Ça me fait une étoile en plus. Et j'en ai que deux. C'est super. Voilà. Bon, bah, du coup, je peux plus rien faire. Alors, peut-être si dans ce. Mais il va me ruiner la prise, lui. Il a la Deadringer. Il a la Deadringer. Attends. Comme vous pouvez le voir en haut, il est là, il est là, il est là, il est là. Il avait déjà Ripop. Merci, Sildring, de m'avoir appris. Ça, t'as le spike qui s'est. Ah, mais ils les ont bien poutrés. Hein. Voilà, donc. Je vais le muter, lui. Je vais le muter, je vais le muter. Alors, oh. Il est où? 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 Je suis nul. Je suis nul dans cette game. Je ne sais pas pourquoi. Non. Bon, on va essayer de jouer un petit peu plus en mode professionnalisme.
Ah bah je sais pourquoi est-ce que je suis nul comme ça, j'ai oublié d'allumer mon clavier. Voilà, c'est mieux avec une lumière rouge. J'ai oublié d'appuyer deux fois sur la lumière. On s'en fout. Donc le truc avec la Derringer et Spike, c'est que vous regardez en haut le Spike que vous avez tué. Normalement, il va y avoir son icône tête de mort qui va apparaître. Si elle reste quelques secondes, genre 2-3 secondes, et qu'après il redevient, lui, c'est encore un... T'as combien là? Voilà. Ah bah c'était celui qui me cassait les oreilles. Bah voilà, je dis oui parce que j'ai... Je suis un mouton. Mais... je suis un gros mouton. Donc bah donc cette petite technique en regardant aussi, il a mis... ça c'est un... Il est où? Il est là le scout, il est là le scout. Putain mais il y en a combien de scouts? Ouh! Merci. Oh! Oh! Le coup critique! Super! Alors, où est-ce qu'on est dans le classement? Alors, on a fait 2 points, on a fait 2 victimes pour 3 morts, c'est absolument dégueulasse. Oh, il est stylé son truc. C'est un élite. Non, un commando. Cause inactif. C'est qui? Oui. Inactif. Bah, de toute façon, ça sert à... Enfin, moi je dis, ça sert à rien d'expulser des gens, de faire un vote pour cause d'inactivité, puisque de toute façon, ils vont se faire jeter automatiquement par le matchmaking. Mais je suis tellement... Mais il sort d'où, lui, là? Il sort d'où? Non, c'est toujours à 2 points... Non, mais je suis... Non, mais je suis nul aujourd'hui. Autant hier soir, quand ils se sont entraînés... avec le surtout pour l'arrêt court. J'aime bien les gens qui gueulent comme ça. Surtout les gens du pays de l'Est, comme ça, quand ils s'énervent, genre c'est tout le temps épique. Est-ce qu'il va regueuler? C'est trop drôle. Oh, et, ah, vite, je me suis... Il me saoule ce sniper, il me saoule. Bon, je vais peut-être... J'ai plus l'habitude, ça fait tellement longtemps, mais... Mais pour les joueurs. C'est dommage que... Ouais, bah... Et on est toujours à 2 points là, j'en suis à... Ah oui, 5 morts quand même. C'est pas que je pue un peu avec ce combo, mais c'est que je pue. Oh aïe 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 Le pyro, non, il est pas prêt, lui. Non, puis j'ai flippé. Bon. Je savais pas qu'il était festif le. On pouvait mettre festif sur cette arme-là. Alors, réfléchissons à une stratégie. Sachant que j'ai choisi ce combo, je ne peux pas le changer. Voilà, on va avancer, on va repousser les gens comme ça. Ah bah, et vous? En faisant une voix complètement débile. Coucou. Ouais, ça me paraît bien. Ouh, il m'a capté. Ouais, j'en ai eu un. J'en ai eu un. Je suis content. C'est moi ou c'était un spy? Mais c'était qui le spy? Je comprends pas, il y a un sniper qui a saboté une mitrailleuse. Je crois qu'il y a une mitrailleuse heureusement. On va faire doucement. C'était la roquette de trop.
c'est si profond que ça ici. Ah, au moins je remonte dans le classement. J'ai fait 2 points en plus. Bon, 4 victimes pour 7 morts, alors faut vraiment se rattraper. Et une coopération. Pour moi, une coopération ça compte comme 0,5 points. Donc là, c'est à dire que j'en suis à 4,5 pour 7 morts. Donc ce qui est absolument nul. Choutka, tu es nul. Dites-le tous en cœur. Non, je rigole, ça se fait pas. Ah, mais je l'avais touché en plus. Pourquoi est-ce que j'ai tiré par terre? Genre, j'ai tiré devant mes pieds. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce taunt là? Je. Aucune idée. C'est grave drôle ça. Il y avait un spy? Il y avait un spy, non? Oh! Voilà. Ah, que j'ai triché. Non, j'ai vu personne tricher. Et ça se voit, un mec qui triche en général, tu le vois tout le temps en haut. Alors, à moins que j'ai pas fait attention. Mais c'est vraiment grave hein, d'accuser quelqu'un de tricherie. Exclusion. Bon, encore ça va, c'est une. Ah bah alors lui il était vraiment teubé. Alors le mec il fait non tu m'auras pas. Non mais ils ont quoi à tous se suicider là? Oh 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 punaise. Alors lui il est vénère avec ses mitrailleuses. Elle est où? Wouah. Alors. Alors ouais. Uranium qui joue deux fois cross-out. J'espère qu'il va pas trop nous embêter parce que. Et d'ailleurs, je veux pas dire, mais là, la game, on est juste en train de perdre. On perd, mais alors. Bon, de toute façon, l'importance, moi je m'amuse. Hein, c'est l'importance. Voilà, c'est de capturer des moments drôles comme le spy qui tombe tout seul dans le vide ou les deux mecs qui se. Voilà! Ah bah une domination en plus. Ah bah s'il vous plaît. Bonjour. Je me casse. Je me casse. La la la. Tiens, on va essayer de faire un petit taunt là. On peut pas. Bon bah voilà. C'est la fin pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que je demande. J'ai encore du mal pour le record tout ça. Et que j'ai pas l'habitude. Je ne suis pas assez de la ring, évidemment. Je manque d'expérience et tout ça. Mais enfin bon, c'était une game assez sympa quand même, hein, même si j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, on a vu des choses assez sympas. Moi je vous dis à plus tard camarades. C'était Choutka. Allez, à plus.